old clings of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Clings of all the stories that we could have told. Là, il y a des cadres, mais sans cire, il n'y a que le fil, il n'y a rien. Ça, c'est en ce moment. Température entre, trois fois par semaine. Bah, en fait, avec l'inertie de la chambre froide, ça reste froid. Ah, d'accord. C'est toujours en chaleur. Vous avez adapté les choses. Et ça fait un petit peu. Je refais fondre, c'est en bas d'huile, on refait fondre. On fait des pains de cire. Je ne sais pas si vous avez vu à l'extérieur côté du camion. On fait des pains de cire. Là, voilà, il y a un bouchon. Donc, il y a une résistance qui va chauffer l'eau. Donc qu'on a fini les plats. 10 tonnes par an. Et le machin de marche. Deux, ouais. En fin de compte, c'est un atelier de gaufrage. Il y a ça, il y a la... spécial pour la production du Gilet Royal. On s'est passé en métropole une saison. Fraîche. Naturel, hein. C'est ça, c'est très bien. En général, le miel... Des roches, je faisais 15 tonnes. Ah ouais. Ah, mais ils ont tout. Je me souviens, là, ouais. Cette époque-là. La salle d'extraction. C'est des problèmes de riches. C'est dans le boucher, on a le changeur, c'est sur palais. On change même de après à la main aussi quand on fait des ruches ou manuellement, ben, on met toujours sur palette, comme ça quand on arrive respirer là-bas. Cette vis sans fin là, elle est là-dedans. Quand on l'a passé plein, j'ai un flotteur qui met en route, qui met ça la vis sans fin en route. Après il y a un gros tuyau ici. Celui-là il est branché avec la machine derrière ici. Ouais, mais là, donc vous avez le camion de transhumance avec derrière le chargeur. Le chargeur. Le chargeur. Ouais. Il connaît mes mesures dans mon camion. Tac, tac. Tandis qu'avec les palettes comme ça, il y en a qui sont petites. Il y en a un peu plus haut. Des clients qui viennent. Bah c'est bien. Bah il faut, hein, c'est l'image, c'est la vitrine quoi. Oui. C'est rouge. Et une belle couleur le litchi, hein. Ouais. Donc là pour le coup, bah, vous avez mérulé donc tout voilà. Matériel. Ça c'est tout le matériel. Qu'est-ce qu'on va faire ce midi, on va nettoyer. Donc le miel et pour les retardataires là, il y a le système de décharge. On vient de voir le système de déchargement du miel sur le camion. Un steak collé à la cire. Je sais pas. Alors je trouve. Ah, tu veux essayer direct. Mais non, je laisse refroidir justement. Non, mais ça va coller, ça va servir à rien ça. Tu vas le faire chaud. Je vais le faire chaud. Ah non, tu vas te brûler. Et derrière, non, c'est hyper. Attends, c'est... Ah ouais, ça c'est vraiment des coups à se faire très mal. Non, mais tu laisses refroidir. Ah, c'est dommage qu'il y ait le petit graton là. Ah, toi aussi c'est super. C'est dommage le petit graton. Hein. On s'améliore. Hey, joli. Le coup rapide était peut-être finalement... Ah, mais ça t'as assuré. Presque, il m'en fait un beau. Super. Voilà. Non, mais ça, c'est bon. Ça, tu peux laisser. Tu grattes, en fait, ce qui va. Voilà. Aller chercher au fond. Ouais, t'as raison, faut mettre la dose. Après, on coupe avec. Oh, tu. Ça peut être plus blanc. Il
C'est pas inox ça. Il a dit qu'il fallait mettre que l'inox. C'est l'inox qui rouille. C'est l'inox qui va. Bonjour. On va laisser monter à, enfin, je vais dire un tiers de la vitesse optimale. Ah, c'est mieux. Là, ça va, c'est bon. Donc on va laisser monter à un tiers de la vitesse. Donc là, vous pouvez regarder, normalement, ça commence à sortir déjà le miel sur les bords, sur les façades. Après, ça coule le long de la paroi. Ça coule le long de la paroi et ça va arriver dans un. Tu rates à la fin après. Non, ça coule tout seul. Tout seul ouais. C'est l'inox, c'est ouais, ça coule. Après, il rajoute du sel sucre. Tu rates à la pompe. Après, il rajoute du sucre, un peu de grenadine pour donner ce petit goût. Pour la couleur. Pour la couleur. Pour le verre rose, il faut qu'il soit rose, hein, non, les gens ils achètent pas. Le verre rose. Donc, quand vous êtes arrivé, quand avant qu'on arrive, quand je suis arrivé tout à l'heure dans la pièce, on était à 33% de l'humidité. Rien que le fait qu'on rentre, qu'on sort, qu'on parle, qu'on voit, on est remonté à 43. Normalement, on a le cuivre aussi qui va avec, qui permet de fermer ça un peu la température, parce que vous voyez, il fait un peu chaud quand même. Et du coup, on redescend également en température, généralement, on travaille à 40, 37, 40. Et le fait qu'on sort en humidité. Donc là, on commence à arriver pas loin de la belle vitesse déjà. C'est ça que tu défends. Voilà. Allez, il me faut un tuto des operculations. Mike, allez, tuto des operculations. Alors, pour la désoperculation, je filme pas ta tête, hein, je filme que ton corps. On est en deux étapes. Ce qui dépasse, on peut faire que le tuto. Donc là, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, ça, en fait, de haut en bas. Ouais. Ok. Soit tu changes de cadre, soit tu changes de trafic. Et l'autre option que tu as, c'est de l'extraire. Non, tu peux. Et là, on finit avec la petite fourchette. Comme ça, tu vois. Nickel. Pour gratouiller et ceux qui sont voilà. Ceux qui n'ont pas été. Si on gratouille trop fort, en fait, ça perce oui. Comme j'ai fait tout à l'heure. Ah oui, oui. Plus filmé à ce moment-là, ouais, ça aurait été. C'est vrai. Mais okay. Tu as raté. Donc, d'accord. Aucune preuve de mon incompétence. Ok, et donc, votre pas de preuve. Cas. Et là, comme vous voyez, c'est plein de miel qui est déjà ouvert. Qui n'est pas encore operculé. Pas encore operculé. Le long du bois. Ah, le long du bois, ouais. Vraiment très, très, très beau ce que vous faites. Merci. C'est très cher. Magnifique. Ok. Ça va suite. We take a